Salut à tous et bienvenue mes petits corbeaux sur la chaîne de Cool Okalasu TCGN Metal. Et aujourd'hui on va faire une petite session de jeu sur Ashes, les héritiers du Phénix. Et je ne suis pas tout seul, salut Fainira. Salut. Donc vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien vers sa chaîne YouTube. Pour l'instant il n'y a pas de vidéo dessus, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mettra Twitch, c'est pas grave. Et vous aurez également le lien de sa chaîne Twitch. Donc voilà. Donc on va faire une petite game comme ça ensemble sur Ashes, les héritiers du Phénix. En rappelant un petit peu, je pense, les règles au fur et à mesure. Oui, on va essayer. C'est aussi bon pour nous que pour vous. Donc voilà. Donc on va commencer par déterminer du coup le premier joueur. Ouais. Top. Donc pour rappel, on lance tous nos dés. C'est celui qui a le plus de symboles de base qui commence. 3. 2. C'est pas brillant, hein. Ah bah depuis tout à l'heure. C'est pas la joie. Toup. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la première phase. Donc, on va pouvoir lancer nos dés. Putain, mais là, j'ai masse de trucs. J'ai plus de grenouilles, quoi. Une grenouille, deux couteaux. J'ai deux feuilles, quand même. Et j'ai masse de symboles de base. Ouais, là, c'est pareil. Hein. J'ai rien du tout. J'ai que des chèvres. C'est pas avec ça qu'on va gagner. Moi j'en aurais bien besoin des chèvres, hein, clairement. Il manque un couteau. Donc c'est moi qui commence. Du coup je vais poser ma carte invocation Terreur Spectrale dans mon grimoire. Et c'est à toi. Pas d'action secondaire. Je vais mettre un peu de musique. Je mets beaucoup de temps à réfléchir. Ouais, c'est pas bien grave. T'inquiète pas, ils sont habitués sur la chaîne. Sont habitués sur la chaîne avec William, les matchs de William avant-garde. Troll. Du coup, je vais poser dans mon grimoire invoquer chouette à trois yeux. Et pas d'action secondaire. Ok. Donc, moi, j'ai fait le con. Très clairement, j'aurais dû faire une action secondaire. C'est bon. Mais du coup, ça change rien. Je vais faire une méditation. Donc, je vais défausser une carte de mon deck et changer ça en couteau. Et ensuite faire du coup l'invocation pour 3 couteaux. Ah putain! C'est un symbole de base. Et j'avais 3 couteaux. 3 couteaux. Et du coup je peux invoquer la terreur spectrale. Et du coup c'est à toi. Ah oui, mince. Je vais poser violoniste enchanté et pas d'action secondaire. Ok. Je vais utiliser une feuille et un symbole de base pour jouer. Croissance massive. Donc je gagne 4 points d'attaque, 4 points de vie. Donc je passe à 5 et 10 points de vie. Et je vais faire une action secondaire qui consiste à épuiser mon héros et jouer un renforcement de glace sur ma terreur spectrale qui passe donc à 11 points de vie. Et c'est à toi. J'aime pas cette carte. Tu sens la fessée. Pour un cœur et un symbole de base, je vais utiliser mémoire parfaite. Donc je vais chercher une carte de mon choix dans mon deck. Et pas d'action secondaire. Ok. Je vais utiliser une feuille de base pour jouer couronne de glace. Et je gagne 3 points d'attaque. Je suis monté tout seul. Et je vais faire mon action secondaire. Utiliser ma grenouille pour t'infliger un point de dommage à ton allié. D'accord. Et contre-attaque.
C'est par l'effet de la magie rituelle. Naturelle. Y'a pas de contre-attaque ? Ah, c'est là, c'est là. Ah, oui, d'accord, ok, oui. Ah, ouais, non, parce ah bah que oui, oui, sinon oui. J'ai utilisé mon action principale pour jouer. Oui, oui. La couronne de glace. Oui, oui. Ok. Je vais méditer et du coup je le place sur cette face sur le loup prends un loup de toute façon ça sert à tout donc... oui c'est à moi oui bah du coup je vais attaquer ton héritière donc je suis à 5, je suis à 8. Ton héritière. D'accord. Eh ben oui. Oui. Hop. Bien, premier tour, quasiment plus de vie. Première manche, j'avais déjà mis de like quasiment. Bon. Et je médite. Oh, c'est dommage. Une croissance massive en moins. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, faut que j'arrive à me défendre assez correctement. Pour. Oh là là. Non. Voilà. Donc pour 1, je choisis 2 dés de la réserve inactive et je les place dans ma réserve active sur la face de mon choix. C'est gratuit. Du coup, ça. Et je vais prendre ça aussi. Une inverse de magie. Ok. Magie d'envoûtement. Oui. C'est pour ça que j'en mets pas dans mon deck. Et c'est à toi. C'est à moi. Bah écoute, je vais utiliser ma dernière grenouille en action secondaire pour avec ma magie naturelle pour flinguer ta violoniste. Donc elle est détruite. Et je passe. J'ai utilisé un cœur et un jeton d'épuisement pour invoquer une violoniste. Non, ma chouette à 3 yeux. Non, c'est la chouette. Oui, c'est la chouette. Ah bah oui, non, sinon, si je pouvais invoquer des violonistes enchantés. Ah oui, non, non, c'est une alliée, ouais, c'est... J'aime pas la chouette. Et bah non, bah c'est tout. Du coup, c'est à moi. Oui. Ben, c'est pas comme si j'avais énormément de choix, je passe. Regard fixe, pour 2. Tu te prends 2 jetons d'épuisement sur ta terreur spectrale. Hein, parce que... je l'attendais tellement. Je crois que je vais la prendre dans la main de départ, celle-là. Et voilà. Enfin, ça dépend de ce que je voulais. Oui. Oui. Et... Du coup, bah moi, je repasse. Ta chemise. Hein. Oh, putain. Oh, non. Des blagues de mer tous les jours avec Fainira. Ouais, bah, ils sont vite, t'inquiète pas. Hein. Et du coup, c'est à moi. Vite. Et bah, pour un jeton épuisement, tu défausses d'une carte de ta main. Voilà, armurerie, c'est. Voilà, c'est à toi. Bah, je passe. Alors. C'est pas comme si j'avais encore des dés à utiliser. je consulte ma. Ouais. En action secondaire, avec une chèvre, je vais chercher un allié violoniste enchanté. Et tu prends un dommage. Et je me prends exactement un dommage parce qu'elle a un d'attaque.
Et j'ai une action principale à faire. Ouais. Je t'attaque. Oh mon dieu. Je pour un. Putain, tu pouvais pas m'attaquer mon... Le mec, il veut pas me le rendre encore plus fort. Bah de toute façon, il sert à rien, mais... Bah ouais, justement. Et oui. Ah oui, merci. Tout. Et bah du coup, moi je veux que ton petit va passer, hein. C'est pas comme si je pouvais en faire quelque chose. Et du coup, tu fais quoi? Top. Je pose invoquer poupée de sang dans mon grimoire. Et c'est à toi. Je passe. Voilà, ah ouais, bah je passe aussi. Ah, tu passes aussi. Oui. Là, t'as pas ce qu'il faut pour une... Non. Enfin, ah. je pourrais reprendre une chèvre, mais j'ai plus d'alliés. J'ai plus de chèvre à ça. Enfin, t'as pas une... T'as un couteau, c'est ce qu'il faut, non? Pour? Pour la poupée de sang. Prochain, du que je passe, tu pourrais invoquer... Oui, non, je vais pas l'invoquer tout de suite. Tu veux pas invoquer tout de suite? Non. Okay. Non, non. Du coup, on est pas fou. Phase de regain. Phase de regain. On tire un jeton d'épuisement sur les cartes. Il y a beaucoup trop de bordel dans les cheveux. On défausse autant de dés qu'on veut. Ouais, mais de toute façon, j'en veux plus, donc ça va vite. C'est là que la furiderie, elle serait rigolote aussi de relancer tout ça. Du coup, elle a beaucoup plus de sens dans ce sens-là. Quoi. Ouais. Alors, ça j'aime bien. Deux grenouilles, ça me plaît. Quatre couteaux, ça me plaît aussi. Deux feuilles, c'est pas si mal. Deux bases. Par contre, ça manque un peu en base. Bah c'est pas grave, les bases. Ouais, je sais bien, mais. Du coup, sup. Ça passe pour toi. Et c'est toi qui commence. Du coup, on pioche 5 cartes. Pour avoir 5 cartes en main. Exactement. Je viens de caler un truc, mec, mais tu vas voir, ça va être rigolo. Alors du coup, je vais invoquer une chouette à trois yeux. Et je vais prendre une action secondaire pour un cœur, je pioche une carte. Et je meule un. Et tu meules un, voilà. Et j'ai fait une bourde, c'est pas grave. C'était pas celui-là que tu voulais faire. Pas maintenant en fait, mais c'est pas grave. Ok, à moi? Oui. Je vais concentrer terreur spectrale. Niveau concentration 2, je peux retirer un jeton d'épuisement du terreur spectrale que je contrôle. Voilà. celle-là, faudrait que tu la retires, du coup. Faut que je la retire? Ah oui, oui, celle-là, ouais, j'avais pas vu. Attends pour moi. C'était à la fin de la manche. 4 d'attaque et 7 PV. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais nous faire derrière? Je peux faire une action secondaire. C'est pas... Ah oui, tu peux. Oui. Tu peux. C'est ton droit. Tu peux pas me priver d'action secondaire. Je vais défausser une grenouille pour infliger un point de vie à une chouette. Une chouette? Ouais, tu vas avoir la gueule. Ok. À toi. À toi de jouer. Yu-Gi-Oh! Tu vois, je peux te dire ça va être très long. Hein. Oui. Je sais ce que je vois. C'est comme, tu sais qu'elle arrivait? Non. C'est l'heure, tu ça a pris que je réponds tout le temps en fait. Faut que j'arrête. Oui, il est temps. Et bah je vais prendre cette chouette là et puis je te dépose une carte de ta main. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce tour là. Absolument pas. Non. C'était la partie d'avant. Oui. C'est juste moi qui suis pas dans le basket. Ah. Du coup. Faut dormir, Rémi. Please. Y'en a qui taffent. Une autre terreur spectrale? Comme si t'en avais pas suffisamment d'une. Bah oui, non.
Que c'est à toi. Ah, attends. Non. Tu infliges un deuxième dommage, du coup, à ta chouette et qui meurt. Non. Ma chouette. Ça fait une chouette en deux. Ce serait comme qui dirait très chouette. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Tu vois, tu peux pas descendre plus bas que moi. Non, c'est là, non. On va attendre les... On attend vos commentaires, on attend vos réactions en commentaire. Je vais invoquer le guerrier sans su pour deux couteaux et un de base. Voilà. Ok. Donc, quand il subit un dégât, au moins un, vous pouvez choisir un dé dans la réserve active d'un joueur ciblé, donc forcément toi, et le placer dans sa réserve inactive. En l'occurrence, donc je te meule tes dés. J'ai besoin de personne pour ça. Alors, je vais utiliser un... Non, c'est une feuille et une base pour jouer le bouclier de cristal. Il gagne 2 PV et il peut intercepter, il peut protéger une unité. Il peut intercepter? Ouais, c'est Vanguard, mais il peut protéger une unité. Et il gagne 2 points de vie, il passe à 8. Une unité ou ton héritier? Protecteur d'unité, une unité. Ouais, ok. Ce qui sert strictement à rien. Oui, c'est... Oui, non, ouais, là-dedans... Ok. Ok. C'est débile que les unités, ce soit juste les invocations et les alliés. Le mec, je te retire ton aleton. Pour une pierre bizarre. C'est un silex. Je te mets dissipation. À la fin de la manche, ta carte sera détruite. Ainsi que toutes tes machines bizarres que tu as mis dessus. Non. Parce que faut pas pousser mes mains dans les orties quand même. Bah pourquoi pas. Et voilà, et je n'ai plus d'action secondaire. Ah, j'ai une chèvre. Oh, j'ai une chèvre, tu sais. Mais attends, non, mais là, c'est bizarre, par contre. Parce que du coup, avec la chèvre, si je sacrifie la chèvre, je peux prendre la chouette à trois yeux, mais sachant que c'est une invocation. Non, il précise allié. Ah oui, c'est pas un allié, mais c'est une invocation. Précise allié. Oui, c'est vrai. Oui, bah écoute, je sacrifie de chèvre. Et puis voilà, c'est tout, à toi. Moi, oui. Pour une feuille et un couteau, je vais jouer renforcé. Ok, donc là il gagne plus 2 Non, c'est quand je l'active en... Non mais quand, oui, quand tu l'actives, il gagne plus 2 d'attaque. Ok, je vais faire le skill de mon héritier. Et ajouter un point de vie comme ça. Ma deuxième terre, c'est pas ça. Qui passe donc à 9 points de vie. Ok. Et c'est ça. Oui. J'ai utilisé mon drain de mes... Ah merde, t'as plus de carte dans ta main. Oui. Et bah tu te défausses de ta dernière carte de ta main. Salaud. Ah oui. Oui. J'hésite entre renforcer ça, puis je me dis renforcer, ça coûte une action secondaire, c'est beaucoup plus de... Mais, et voilà, enfin... Moi j'ai fini. Ok. Du coup, je vais utiliser une action secondaire pour donner 2 ici. Et ensuite, je vais t'attaquer ton héritière à 3. Ok. Du coup, 1, 2, 3. Du coup, il me reste 8 points de vie. C'est génial! Je t'ai mis un point de dégâts. Oui, du coup, c'est pas encore fini. Non. Eh oui. C'est à toi de jouer. Tu peux toujours invoquer une poupée de sang pour m'infliger un deuxième dommage à la fin de la manche. Je vais utiliser mon action principale pour remettre une invocation, une invoquée poupée de sang. Wow. Du coup, c'est à moi? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Rien faire. Si, je pourrais méditer.
Oui. Je pourrais méditer. Mais en l'occurrence, j'en vois pas l'utilité, du coup, je termine. Je passe. Ok. Hop. Je sais plus si on peut défausser les sorts du grimoire ou pas. Je crois pas. Non, non, on peut pas. Du coup, pour une chèvre, même si c'est un couteau, je vais placer une poupée de sang. Waouh. Chez toi. Même si c'est pas bien avisé. Et voilà. C'est à moi ? Oui. Pour le lol, je lui inflige un dommage pour l'action secondaire. Et du coup, c'est à toi ? Oui. Bonjour, je n'ai plus de dés. Je peux plus rien faire. Plus de mana. Pour un autre couteau. Une deuxième. Je vais invoquer une deuxième coupée de sang. Oh, je vais prendre deux dommages à la fin du tour. Oh là là ! Oh là là ! Je vais être à 14 points de vie. Et du coup, c'est à moi ? Oui. Mais du coup, je passe. Tu peux faire une action secondaire. Hein. Plus de dés. Aïe. C'est vrai. C'est difficile. C'est vrai. Non, ça me servira à rien de faire ça. Et bah du coup... Tu m'attaques. Pour 3, je t'attaque. Et ben, je prends 3. Waouh. Tu vas m'avoir infligé 5 dommages à la fin de la manche au total. Oui. J'étais à 1. Oui. Donc je passe à 4. Oui. Toup. Et du coup, toup, toup. Voilà, à toi. Bah je passe. Tu passes, et bah moi aussi. Du coup, phase de regain. Pop, 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 pop. Celle-là et toutes les machines détruites. Sont détruites. Hop. Je me prends 2 dommages pour pose des poupées. Voilà. Waouh, il me reste 11 points de vie. Ouais. Et on relance les dés. Et du coup, stop. Moi je défausse quand même. Attends, je vais avancer parce que. Je les avais posés. Ok. Une chèvre seulement à sacrifier. Et beaucoup de symboles de base. Il manque un dé. Ah, je t'en ai piqué un. Oui. Tiens, je t'en rends. C'était un symbole de base, je crois. Oui, tiens. Relance-le, hein, si... Non, non, mais c'est bon, c'est un symbole de base. Sinon, on relance les chèvres, hein. C'est bon, je suis à 10. Non, non, les chèvres, c'était bien, là. Ah, du coup, c'est à moi. Ah, bah oui. Du coup, faut que je refasse, je vais jusqu'à 5. Oui. Pour une feuille et deux bases. Couronne de glace. Et... D'ailleurs, je suis complètement débile. Ce que je pouvais faire avec ça. Oui, c'est infliger un point de dégâts. Du coup, tu gagnes. Je gagne un point d'attaque. Ok. Tu mets des jetons état ou pas dessus? Non. Non. Ok. C'est sûr, pour chaque blessure gagnée sur cette unité, ajouter la valeur d'attaque à cette unité. Mm-hmm. Pas d'action secondaire? Question. Bah, si je viens de la faire en fait, en m'infligeant un dommage. D'accord. Ok. Par contre, c'est l'action principale, j'en ai fait une. Je ne crois pas. Oh, bah, si, j'ai posé ça. Ok. À toi. Alors.
Je vais m'amuser au montage. Oui, oui, oui. Alors. On va pas se mentir. On va commencer un peu à attaquer là. Donc tu vas choisir une carte de ta main et tu vas te défausser. Oui, ok. Pour un cœur et un jeton épuisement, je peux piocher une carte et tu te défausses d'une carte. Mon deck ? Oui. Oh, invocateur spectral. Pour... De toute façon, j'avais pas invocateur spectral, non. Pour un jeton de base, je mets une blessure sur lui et lorsque cette unité subit au moins un dégât, vous pouvez choisir un des... Ta grenouille ! Non ! Et ta grenouille s'en va ! Mais non ! Voilà, c'était la fin du combo. C'est à moi ? Bah du coup, oui. Je vais faire une feuille et un couteau. Mais butez mon couteau. Et je vais concentrer et renforcer. Comme ça, il gagnera 3 au lieu de... D'accord. Et... Tiens, je vais méditer juste pour t'emmerder. Ok. Je vais utiliser pouvoir dissimulé pour 1. Je vais choisir 2 dés de ma réserve. Que je vais placer. Non, un comme ça. Enfin, un loup, plutôt, au cas où. Ouais, tu places dans. Et. Ça fait ce que tu veux. Oui. Et une espèce de chouette. Bon, moi, j'aurais dit que c'est un serpent, mais. Oui. Oui, c'est. Oui. Oui. Plutôt un serpent. Putain, c'est bizarre. Non, d'accord. C'est à moi. Oui. C'est à moi. Et je vais utiliser mon action secondaire pour ajouter du coup 3 à ma terreur spectrale qui attaquera donc à 5 plus 3, 8. 8. 8. Du coup, ma terreur spectrale va attaquer à 8 ton héritière. À 8. Ok. Ouais. Et merde. Putain, non. Bonjour, au revoir.